Buenos días. Estamos aquí dando clase de casa, clase a domicilio. Usted mismo sabe lo que está pasando en el mundo entero. El mundo está en crisis sanitarias. Entonces, eso también es muy fácil para evitar. Tenemos las reglas siguientes. Lavar las manos a cada instante. Respetar la distanciación. Toser en el hueco del codo. Bueno, como estamos hoy, podemos ver aquí en la pizarra, nivel terminal A, asignatura español, componente gramática, tema la expresión de la costumbre, título la expresión de la costumbre o del hábito. Al final de esa lección, los alumnos de la TEA deben ser capaces de comprender o de construir a 80% las frases utilizando la expresión de la costumbre. Bueno, vamos a empezar nuestra clase. La costumbre. ¿Qué cosa es la costumbre? La costumbre es la repetición frecuente del mismo acto o el modo habitual de hacer las cosas. Donc, c'est l'habitude de faire quelque chose. Por ejemplo, yo puedo decir un ejemplo. Antes tenía la costumbre de fumar un paquete de cigarro al día. Mira aquí bien. Ejemplo. Antes tenía la costumbre. Antes tenía la costumbre. Tenía la costumbre de fumar un paquete de cigarro de cigarro al día. Yo les voy a explicar. Antes tenía la costumbre de fumar un paquete de cigarro al día. En français, avant, j'avais l'habitude de fumer un paquet de cigarettes par jour. C'est l'habitude. Por esa razón, nosotros hemos definido aquí que la costumbre es la repetición frecuente del mismo acto o el modo habitual de hacer la cosa. Aquí está el ejemplo. Antes tenía la costumbre de fumar un paquete de cigarro al día. ¿Cómo se expresa la costumbre en español? comment s'exprime l'habitude en espagnol. Comment s'expressa? Comment s'expressa la costumbre en espagnol? Bueno, la costumbre en español se expresa, es la equivalente à la locution française avoir l'habitude de ou être habitué. Cela revient à dire la costumbre en français, c'est avoir l'habitude de ou être habitué à. Pero tenemos 5 fórmulas. Nous avons 5 formules que nous allons voir tout à l'heure. Vamos a ver las 5 fórmulas ahora mismo. Las 5 fórmulas son las 5 fórmulas de la expresión de costumbre. 1. Soler más infinitivo. Soler más soler más infinitivo. La segunda fórmula, tener la costumbre de más infinitivo. Segunda, tener la costumbre de costumbre de más infinitivo. La tercera fórmula, tener por costumbre de más infinitivo. La tercera, tener por costumbre. De más infinitivo. La cuarta fórmula, acostumbrarse a. Acostumbrarse a. Acostumbrarse a más infinitivo. Acostumbrarse a más infinitivo. Y la quinta fórmula, estar acostumbrado a más infinitivo. Estar acostumbrado . Aquí está las quintas fórmulas. Les 5 formules sont là. Voy a leer fórmula soler más infinitivo. Tener la costumbre de más infinitivo. tener por costumbre de, más infinitivo, acostumbrarse a, más infinitivo, estar acostumbrado, más infinitivo. No lo podemos dejar así. Vamos a pasar a algún ejemplo con esta fórmula. Nous allons maintenant passer aux exemples avec ces 5 formules. Ejemplo, 2 puntos. Ejemplo. Bien, ici, là, il y a une chose que le candidat doit comprendre. Solaire, ici, c'est un verbe. Le verbe solaire doit être conjugué en complicité avec le sujet qui parle. Là, maintenant, je vais prendre un exemple avec la première personne du singulier. Solaire más infinitivo. Solaire, verbe de la 2e conjugaison. Pourquoi? Parce que ça se termine en AR. Le verbe est scindé en 2. Nous avons le radical et ici nous avons la terminaison. La voyelle du radical, O, va se transformer en oué sous poids de l'accent tonique. C'est pour cette raison que nous disons que solaire, c'est un verbe à diphtongue. Aquí está. 1. 1. Suelo. Bon, pour que l'exemple soit un peu consistant, je vais mettre maintenant. Ahora. Suelo. Ahora. Suelo. Suelo ici, je l'ai conjugué directement à la première personne du singulier. O du radical s'est transformé en oué pour respecter le poids de l'accent tonique, qui est l'affortement sonore d'un mot. Ahora, suelo trabajar. Infinitif. Ahora suelo trabajar solo en casa. Ahora suelo trabajar solo en casa con el confinamiento. Voilà, on va voir si la formule est respectée. Solaire, solaire est là, plus infinitif. L'infinitif, c'est le verbe trabajar. Ça est là, ahora, suelo, trabajar, solo, en casa, con el confinamiento. Punto. En français, ahora, c'est maintenant. Suelo, j'ai l'habitude. Trabajar, de travailler seul, chez moi, avec le confinement. Ne confondez pas en casa et à la casa. En casa chez moi. Donc, maintenant, j'ai l'habitude de travailler seul chez moi. Maintenant, j'ai l'habitude de travailler seul chez moi avec le confinement. Deuxième exemple. Tenir la costumbre de plus infinitif. Tenir la costumbre de plus infinitif. Voilà, tenir. Tenir, c'est l'auxiliaire avoir qui nous sert pour la possession. Tengo una pluma. Tengo el borrador. Tenemos los baberos. C'est ce verbe. Comme c'est un verbe, le verbe doit être conjugué. Le mot à conjugar, il sempre può utilizzare la persona del singular. Tengo. Ahora. Ahora. Tengo. Ahora tengo la costumbre de plus infinitif de trabajar. Solo, en casa, con el confinamiento. Punto. Vamos a ver si aquí he respetado la fórmula. Tener, aquí está el verbo tener, la costumbre, aquí está, de, más infinitivo, trabajar, solo en casa. Vamos a pasar a la traducción en francés. Eso quiere decir, maintenant, j'ai l'habitude de travailler seul chez moi avec le confinement. Troisième formule. C'est presque la même chose, mais il y a apport. Troisième. Tengo por costumbre de infinitivo de trabajar solo en casa quand elle, quand Fina, con el confinamiento. Ahora tengo por costumbre de trabajar solo en casa, con el confinamiento. La traduction en française, maintenant, j'ai pour habitude de travailler seul chez moi avec le confinement. Prestez bien l'attention. 4. Acostumbrarse à mas infinitivo. Chers candidats, soyons attentifs. Prestez bien l'attention. Acostumbrarse. Acostumbrarse. Ici, là, c'est maintenant un verbe pronominal. Pourquoi je dis que c'est un verbe pronominal? Parce que le pronom complément est venu souder à l'infinitif du verbe. Quand le pronom complément soude à l'infinitif du verbe, on appelle maintenant un verbe pronominal. Comment peut-on conjuguer un verbe pronominal? Le verbe pronominal, ça se conjugue toujours avec les pronoms compléments. Je sais que ça pose problème ici. Mais on va chercher à expliquer. Bien. Regardez ici. C'est d'abord connaître les pronoms compléments. Les pronoms compléments, on va m'excuser, il reste, on est à 4, je peux aller un peu plus haut pour expliquer. Le pronom complément, nous avons mais, que, c'est, nos, os, les, las, même l'eau. Voilà ces pronoms compléments. Et ces pronoms compléments doivent aller en complicité avec les pronoms sujets. Yo, tu, él, nosotros, vosotros, ustedes. Maintenant, pour conjuguer un verbe pronominal, on doit toujours le conjuguer avec les pronoms compléments. Acostumbrarse à plus infinitif. C'est un verbe pronominal parce que ça doit, on doit conjuguer ce verbe avec les pronoms compléments. Nous avons ici les pronoms compléments me, te, se, os, nos, os. Et ici là. Les, las, los, c'est pour former l'onclise. Mais dans ce cas, pour vous ramener à la raison, je vais m'arrêter à ce. Suivez bien. Je vais donner maintenant un exemple. Ahora me acostumbro a trabajar. Ahora mais. Déjà, quand je dis le mais, c'est la première personne du singulier. Donc, c'est le you. Mais, acostumbro. Me acostumbro a. Après le A, c'est l'infinitif. Mais acostumbro a trabajar. A trabajar solo. en casa quand elle confinamiento. En espagnol, on doit mettre bien I, sinon ça peut transformer en accent grammatical. Et dès que je finis, il faut toujours mettre le point. Voilà. Je vais lire. Ahora me acostumbro a trabajar solo en casa con el confinamiento. Je rends ça en français. Maintenant, je m'habitue à travailler seul chez moi avec le confinement. Voilà. Il nous manque maintenant l'exercice numéro, la formule numéro 5. Je sais que vous prenez déjà note. Je peux déjà commencer à effacer. Bon, je vais faire ça. D'accord. Voilà. Estar acostumbrado a. Il nous manque a. A más infinitivo. Estar acostumbrado a más infinitivo. Là aussi, le candidat doit faire extrêmement attention. Ici, là, nous avons estar. Estar, c'est un auxiliaire. Mais si nous partons maintenant en profondeur, on peut appeler ça semi-auxiliaire. Ça, là, c'est ce que vous allez voir à l'université. Peut-être l'année prochaine. Estar ici doit être conjugué. Mais quand tu le conjugues, le verbe qui suit, ça doit être au participe passé. Cependant, le participe passé en espagnol a ses critères. Maintenant, ici, là, avec estar, le participe passé doit s'accorder en genre et en homme en rapport avec le sujet. Si c'est au féminin, on doit accorder. Si c'est au pluriel, on accorde. Maintenant, ici, le verbe doit être conjugué en rapport avec la personne. Donc, le participe passé, en espagnol, pour les verbes terminés en AR, font leur participe passé en ado, en ER et IR, font leur passé en ido. On va voir ici ado. Donc, c'est avec ce termine en AR, verbe de la première conjugaison, le verbe acostumbrar. Ejemplo. 2 points. Ahora, c'est toujours la première personne. Ahora estoy acostumbrado a. A trabajar solo en casa. Con el confinamiento. Ahora estoy acostumbrado a trabajar solo en casa con el confinamiento. Rendu en français, maintenant, je suis habitué à travailler seul chez moi avec le confinement. Bueno, como nosotros ahora hemos terminado con la clase de hoy, vamos a pasar a la tarea. La tarea, el ejercicio que ustedes van a realizar en su casa. Mira lo que dice aquí, tarea. Reescribe la frase con las fórmulas equivalentes siguientes. Los congoleños suelen hablar en voz alta. ¿Cómo van a hacer eso? Usted tiene que respetar las fórmulas siguientes. Repito, reescribe las frases con las fórmulas equivalentes siguientes. ¿Cuál es la frase? Aquí está la frase. Los congoleños suelen hablar en voz alta. La primera fórmula, tener por costumbre de más infinitivo. La segunda fórmula, tener la costumbre de más infinitivo. La tercera fórmula, tener, acostumbrarse de más infinitivo. Y la cuarta, está acostumbrado a más infinitivo. Ustedes van a realizar esa tarea. Nos veremos a la próxima vez. Chao. Hasta luego. Buena suerte para todo el mundo.